Alors, je suis Michel Paradis, forgeron artistique. Je suis à Mascouche depuis déjà un certain temps, les années 65, je dirais. Mes grands-parents étaient ici depuis déjà, établis depuis déjà quelques temps. Je pense qu'il y avait 500 familles établies à Mascouche. Alors, ça donne l'idée de l'espace qu'il y avait. Oui, je suis parti de Mascouche à peu près 10 ans après avoir fait de la forge ici, dans ma première atelier. Et je suis revenu à Mascouche depuis, je dirais, 3 ans et demi. Et j'ai rétabli ma troisième forge à la même endroit que la première, finalement. Tout a commencé pour moi lorsque j'étais au Salon du design international à Montréal. J'ai été une fois dans ma vie, et c'était cette fois-là, j'ai vu quelqu'un qui exposait ses œuvres, ses pièces. Je suis tombé dedans à ce moment, et dès le lendemain, c'était mon inspiration qui avait pris forme, dans le sens que c'était ça que je voulais faire. Et j'ai entendu parler d'un monsieur Beck, un feu monsieur Beck qui est décédé l'année passée. Et je l'ai trouvé à Saint-Andriès, et j'ai été pour demander des cours de forge, et finalement, je me suis entretenu plus avec le fils qui est venu à la maison. Et nous avons ouvert le premier feu de forge avec Troy, ensemble, Troy Beck, à Mascouche au début des années 90. Aujourd'hui, on se parle encore, et ça fait presque 30 ans. On a pris des chemins différents, et nous sommes devenus, en réalité, des forgerons d'expérience, avec un style propre. Et j'ai eu la chance d'aller en France quelques semaines pour travailler comme ferronnier d'art aussi. Alors, c'était un plongeon dans un village presque médiéval. C'était très intéressant et incroyable à la fois. On continuait le travail qui était établi. Donc, l'apprentissage se faisait en direct. Il n'y avait pas un apprentissage comme professeur, mais j'étais l'assistant. Donc, j'apprenais. J'avais déjà 5 ans d'expérience. J'ai eu la chance de rencontrer Hubert Renaud aussi, de Mascouche, qui était l'ancien forgeron du village, comme on disait. J'ai eu la chance d'avoir sa forge à M. Renaud. Ça faisait déjà quelques années qu'il ne l'utilisait plus. Et j'avais été chez eux pour aller chercher, je pense, du fumier pour le jardin, quelque chose semblable. Je suis même pas sûr du lien. Finalement, on a parlé de la forge, mais il m'a amené à sa forge. C'est moi qui l'ai hérité. J'ai un souvenir de lui qui est dans la fenêtre avec sa dame, qui me voit partir avec la forge. C'était une partie de lui-même un peu qui partait. Sur le dessus, tu vois les ouvrages précédents, les souvenirs en même temps, les premières fois de plein de choses. Mon vieux compas de la famille Van Geert, les premiers forgerons de la Forge de Montréal. Les souvenirs avec mon chum Troy, on a fait une petite peinture à queue de rat en démonstration. Mes premières volutes. L'outil principal de la forge est le feu de forge. Le feu de forge est composé d'une table avec un élément central qui est en fonte, qui contient le charbon, d'où on met le feu pour pouvoir l'alimenter avec un soufflet. J'ai un petit soufflet électrique. C'est la seule chose moderne que je me suis permis dans ces dernières années. Alors, le feu de forge, c'est un espace où le charbon brûle et qui amène une force de chaleur suffisante pour faire chauffer mes matériaux, de tous les gabarits, du plus petit au plus gros, naturellement. Une enclume, un marteau, une petite table, c'est avec ça que j'ai commencé et que j'ai travaillé les 5 premières années.
presque. Graduellement, j'ai fabriqué des pinces. C'est une des premières choses qu'on fait. J'ai acheté des pinces, des marteaux, toutes sortes, car en réalité, on a souvent besoin de différents marteaux, quelque chose pour assembler la matière, naturellement le charbon et la forge, car ça marche à l'ancienne. Tranquillement, il faut une table pour le traçage, pour pouvoir l'assembler et fabriquer des outils pour arriver à faire des volutes, des faux rouleaux qu'on appelle. Aujourd'hui, ici, on dit plus des gabarits ou des jigs, mais donc apprendre à faire des formes. J'ai utilisé plein d'outils simples de base, en réalité. J'ai toujours été un peu minimaliste dans l'outillage pour toujours amener ça à la plus simple expression. Le feu, la forge, le marteau, c'est du fer forgé qui est vraiment à mon goût à moi. C'est comme à l'ancienne. Aujourd'hui, on peut améliorer la situation avec des outils électriques plus intéressants, comme pour l'assemblage, mais autrement, je m'en tiens à ça. Ça, c'est les pinces que j'ai besoin pour le travail en général immédiat. C'est déjà... j'en ai en avant que j'utilise moins et j'en ai un peu sur le côté aussi. Tout ce qui est à proximité, c'est des outils que j'utilise. Mes marteaux sont ici à côté de moi. Selon le besoin, souvent, je les laisse déjà en mouvement comme ça, prêts à être utilisés. J'utilise un marteau qu'un copain a fait. Un marteau que j'ai rapporté de France quand j'étais faire un stage. C'est des mobs français. Je fais moi-même mes manches pour les ajuster à ma main. Et c'est des outils qui me servent à façonner, à travailler, à couper, à pointer. Ici, on a une guillotine qui me sert à faire des mouvements comme celui-là. C'est tout fait avec la guillotine. Et là aussi, mon environnement immédiat, c'est les premiers outils en général que j'utilise sur l'enclume. Alors, à côté de mon auto, on regarde ici le tas. C'est un élément concave avec un marteau à débillarder qui me sert à chaud comme à froid de former la matière. Si on touche à deux endroits et je martèle dans le centre, je vais faire une courbe. Ici, avec ma main gauche, je fais différents mouvements. Je pourrais reproduire différentes formes. Ça, c'est ma mouillette. Ma mouillette, c'est un outil intéressant qui me permet de ralentir l'effort du feu qui se présente. En même temps, c'est comme mettre un couvercle. Tu sais, quand tu fais cuire du spaghetti dans ton eau bouillante, tu mets un couvercle, ça l'intensifie. Fait que le feu, il est là, en dessous, et moi, je mets un couvercle, comme... Fait que l'intensité devient encore plus forte. Alors, ça s'appelle une mouillette. C'est un métier qui est à la fois exigeant physiquement, exigeant au-delà du physique, c'est de la chaleur aussi. On est un peu tout sale, couleur du charbon, l'acier. C'est pas un métier nécessairement propre, mais ce qui en ressort par contre, et le moment entre l'échange, c'est vraiment le fun. En fait, le forgeron, c'est le terme généraliste, comme je disais tantôt. On a toute une spécialité, on a tout un désir de faire des choses qui nous sont propres. Le coutelier, il fait des couteaux, finalement. On l'essaye tout et on voit si on aime ou pas. Moi, ce que j'aimais exprimer, c'était le mouvement. Ce qui me plaisait, c'était l'art nouveau, les anciens forgerons, j'ai beaucoup de liens avec des livres de vieux forgerons. C'est là-dedans que je me suis éduqué. Puis j'ai pratiqué, dans le fond, pour l'essayer. C'est la vie, le mouvement, c'est la nature, c'est la courbe.
le matériel que j'utilise, le fer, c'est rigide. Alors, on parle d'art nouveau, tout en travaillant dans le fer. La facilité avec la forge, c'est ça, le plaisir de travailler avec le feu, c'est d'utiliser la matière qui est rigide, la mettre dans le feu et la rendre flexible et malléable, si tu veux. C'est un peu magique, la forge. Le feu, l'intensité, c'est vraiment toujours en mouvement. C'est presque vivant et ça me donne en même temps l'énergie du travail qui va s'accomplir. Ici, c'est une grande transformation. Alors, je vais avoir en position une température plus claire. On voit du orange. Moi, je vais aller chercher la couleur du feu. Un petit peu plus blanc. Vu que c'est une matière qui est quand même assez forte, je vais avoir besoin d'une bonne chose. Tu vois, il est dans un environnement quand même sécuritaire. Ça ne déborde pas de la table. Et c'est la table à notre monsieur qu'on parlait tantôt, Hubert Renaud. En réalité, il a dû la changer plusieurs fois lui-même, mais c'est son pot de feu qui est en fond, qui contient le feu. Et à l'origine, il y en avait deux. Fait qu'on peut imaginer qu'il y avait plus qu'un travailleur avec lui. Moi, j'en ai gardé qu'un. C'est ce qu'on a de besoin. C'est ce que je vais commencer à travailler. Lorsque j'allais à Terrebonne plus jeune, à la forge de M. Lemire. Je ne l'ai jamais vu en action, mais j'avais vu sa forge. Ça m'avait déjà inspiré étant jeune. Là, je vais vous montrer quelque chose que je ne dois pas faire. On voit ici que la forge est tellement forte qui a complètement brûlé la matière. Alors pour moi, c'est pas réussi parce que j'ai perdu de sa grandeur, de sa contenance. Il n'y a plus la même forme. Et pour pallier à ça, en général, je dois faire un martelage très rapidement pour remettre les éléments, mais il n'y aura jamais la même grandeur. Donc, j'ai un peu perdu mon temps. C'est un peu avec ça que j'ai commencé la forme de la tête de l'aigle. Naturellement, on voit le bec. Fait que je l'ai plus raffiné avec le marteau pour arriver avec mes autres images sur le côté à fabriquer cet aigle. Je suis vraiment parti avec ça. La tête, je vous dirais plus de 3 semaines d'ouvrage que pour la tête. Mais ça a parti avec ça. Les qualités premières, c'est d'aimer ce qu'on fait. C'est pas une qualité, mais c'est une obligation si on n'aime pas ça, car le métier est difficile. On doit avoir des connaissances de la matière, naturellement, comment qu'elle se transfère, donc comment qu'elle se comporte dans la chaleur. Elle bouge. On doit connaître donc la matière, comment l'assembler. Ça demande la qualité aussi d'être observateur, finalement, car la façon que j'ai fait mon aigle, je m'entourais de photos en plan élévation profil et je suis parti de ces photos pour fabriquer l'ensemble de l'aigle. On doit apprendre comment assembler. J'utilise le MIG, le TIG, l'arc, de toutes les sortes. Je peux souder de la fonte, donc ça prend un apprentissage des matières. Car j'utilise aussi souvent d'autres matières, donc le cuivre, le verre thermoformé, le laiton, le bois, la pierre. Donc, ça demande d'être intrigué d'un peu de tout.
C'est un travail qui est vraiment passionnant et qui est demandant, car on découvre souvent en le faisant. Les gens qui sont venus à l'atelier lorsque je donnais des formations ont en général eu... Le plus jeune, je pense qu'il avait 10 ans avec ses parents. Le plus vieux, c'est 70 ans, je pense, un chirurgien. Alors, toutes sortes de monde. Il y a des jeunes dames qui sont venues aussi faire de la forge. Toutes sortes de monde se propose, car c'est stimulant et intéressant de vouloir jouer dans le feu et de créer quelque chose à partir de rien. Alors là, je constate qu'il y a une demande, finalement. Je vois qu'il y a quand même une certaine relève. Et j'en suis à faire plus de la sculpture que des travaux modernes de rampe. Le plaisir que m'offre le feu et sa chaleur me permet de mettre de la matière dedans, de toutes différentes gabarit du petit fer et du gros fer, car le feu a une intensité suffisante pour rendre l'élément dur du fer plus flexible. Il y a un échange presque avec la matière, parce que moi, j'y rentre dedans avec mes marteaux, et puis pour en finir avec quelque chose de délicat, hein, c'est vraiment spécial le travail de fer forgé. Ben, c'est moi aussi qui est différent, peut-être.